Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment fidéliser les propriétaires. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment fidéliser les propriétaires avec qui tu travailles dans le cadre de ta conciergerie. Parce qu'effectivement, ça c'est un point important et crucial pour le développement de ta conciergerie, c'est que tu dois fidéliser les propriétaires avec qui tu travailles, et même plus que ça, tu vas devoir les transformer en apporteurs d'affaires. Alors, qu'est-ce que finalement tout ça, ça veut dire? C'est que le principe, c'est qu'effectivement, tu vas mener beaucoup d'actions, tu vas mettre beaucoup d'efforts pour trouver un propriétaire. Tu vas aller prospecter sur différents sites, tu vas passer des coups de fil, tu vas aller sur place, bref, il y a tout un tas d'actions que tu vas mener au quotidien pour trouver un propriétaire avec qui travailler. Une fois que tu l'as trouvé, eh bien en fait, il peut tout à fait continuer à te rapporter de l'argent et du chiffre d'affaires, ce propriétaire. Comment, au-delà de son bien, en fait, ce propriétaire, il y a peut-être des chances qu'il soit lui-même un investisseur immobilier et que du coup, il ait d'autres biens à te confier que le premier sur lequel vous avez déjà contractualisé, tu vois. Donc, tu peux tout à fait déjà trouver un investisseur qui, s'il est satisfait de ton travail, eh bien, te confier d'autres biens. Il peut aussi avoir dans ses relations d'autres personnes qui cherchent également une conciergerie et qui cherchent une conciergerie fiable. Et si jamais c'était ton cas, eh bien, il pourrait te recommander. Alors du coup, comment est-ce qu'on arrive à atteindre ça? Parce que tu vois bien qu'on est dans une espèce de... Voilà, c'est un peu l'effet boule de neige, quoi. Tu trouves un premier propriétaire et puis derrière, c'est l'effet boule de neige, ça va être assez exponentiel et tu vas pouvoir avoir d'autres biens à gérer. Alors, du coup, ce que moi je te recommande déjà, la première chose pour fidéliser un propriétaire, et bien tout simplement, c'est de faire en sorte que ton propriétaire soit un propriétaire satisfait de ton travail. Donc en gros, il faut que tu fasses de la qualité. Ça, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, en fonction des zones, il peut y avoir beaucoup de concurrence en termes de conciergerie. Et du coup, l'une des manières et la meilleure manière de se démarquer, à mon sens, c'est de faire de la qualité. Alors, par quoi ça se traduit concrètement de faire de la qualité pour une conciergerie? Alors, au-delà, je dirais, de l'aspect un peu technique, hein, c'est-à-dire la capacité à aller trouver des voyageurs, à optimiser des annonces, etc., à être sur les meilleurs tarifs, à réaliser des ménages de qualité. Ça, je dirais que c'est la partie opérationnelle sur le terrain. À mon sens, il y a une deuxième partie qui est souvent oubliée, qui fait partie de la qualité de notre intervention et de notre prestation d'une manière générale, et qui est aussi attendue par les propriétaires, eh bien, c'est toute la partie suivi et reporting. Le propriétaire, il a besoin d'avoir une vision claire de ce qu'il a gagné en travaillant avec toi, quoi. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui remonter un reporting, c'est-à-dire un tableau qui va expliquer combien de chiffre d'affaires on a fait, quelle proportion la commission de la conciergerie représente-t-elle sur ce chiffre d'affaires. Finalement, le propriétaire, combien il lui reste dans sa poche quand on a déduit les frais de ménage et la commission. Voilà, donc le propriétaire, il a besoin d'avoir toute cette visibilité-là parce qu'il a besoin de comprendre que tu es quelqu'un de fiable, que tu es une société fiable. Et pour ça, il faut montrer qu'on suit, qu'on pilote notre activité et qu'on a une capacité à anticiper les événements. Et pour ça, de donner un reporting, ça permet de montrer notre capacité à suivre correctement les choses par rapport au propriétaire, au-delà de l'aspect opérationnel. Ça va vraiment le rassurer si tu lui donnes ce type d'information. Il va se dire, ok, là j'ai affaire à une conciergerie qui est au top, elle suit, elle sait où elle en est, elle sait où j'en suis, voilà, et les résultats sont au rendez-vous bien évidemment. Donc c'est voilà, un aspect à mon sens qui est jamais à négliger, parce qu'à partir de là, à partir du moment où ton propriétaire il est satisfait, et en fait là tu travailles sur le moyen et le long terme en fait. Le propriétaire, en étant satisfait de ta prestation, il va déjà te faire de plus en plus confiance. Une fois qu'il fait confiance, il sera prêt à te confier d'autres biens. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il peut être lui-même investisseur immobilier et puis se dire bon, « Ok, la prestation est sérieuse, c'est une conciergerie fiable, je suis prêt à confier encore 1, 2, 3, 4 biens. » Enfin bref, ça peut aller vraiment très vite derrière, quoi. Donc voilà, tu dois fidéliser ton propriétaire par la qualité de ta prestation et derrière, tu vas pouvoir vraiment bénéficier de l'effet boule de neige. C'est évident que ça va être positif pour toi.
Le deuxième effet qui va arriver derrière, c'est que si le propriétaire est satisfait, il va en plus te recommander autour de lui. Alors, soit il va le faire, je dirais, de manière naturelle, parce qu'il va devenir un peu ambassadeur finalement de ta conciergerie, c'est lui qui va aller vendre tes prestations, entre guillemets, à ses autres relations, d'autres personnes qui cherchent des conciergeries. Et du coup, vraiment, pour le coup, la qualité de ta prestation va vraiment avoir un impact à moyen et long terme, et je dirais de manière géographique, sur un panel de personnes qui sont de plus en plus nombreuses et très ciblées, puisque ce sera des investisseurs aussi très probablement. Du coup, en sachant ça, eh bien, tu peux, je dirais, pas forcer un peu la fidélisation, mais en tout cas l'encourager. Et du coup, tu peux tout à fait encourager un propriétaire, ou les propriétaires avec qui tu travailles, à t'apporter des affaires. Donc l'apport d'affaires, c'est extrêmement important aussi dans le cadre de ta conciergerie, parce que du coup c'est un moyen pour toi de développer ton chiffre d'affaires. En contrepartie, il va falloir récompenser les propriétaires qui t'apportent des affaires. Alors cette récompense, elle peut prendre vraiment plein de formes, là tu peux être tout à fait imaginatif et créatif là-dessus. C'est vrai que ce qu'on voit assez souvent, ça peut être le paiement, soit le paiement d'un voilà, on file un chèque, hein, tout simplement, à chaque affaire qui serait apportée. Après, ça, il faut faire attention parce que ça a un impact quand même sur ton chiffre d'affaires. Donc, il faut quand même bien mesurer les choses si jamais tu parles là-dessus. Tu peux tout à fait aussi offrir, par exemple, plusieurs interventions de ménage, j'en sais rien. Enfin, là, pour le coup, tu vois, tu peux vraiment être extrêmement créatif sur la manière dont tu vas rémunérer l'apport d'affaires. Ça peut être, un cadeau maison que tu peux faire. Ça peut être, ça peut être tout un tas de choses. C'est pas forcément, je dirais, des euros. C'est ça que je veux dire. C'est pas forcément un chèque. Ça peut tout à fait être des actions un peu parallèles, comme je le disais tout à l'heure, un cadeau, un séjour offert quelque part. Enfin voilà, ça peut prendre ce genre de forme-là. Mais motive aussi tes propriétaires à apporter des affaires, ça va être aussi un moyen pour eux d'être fidèles à toi et te ramener toujours plus d'affaires pour que ce soit vraiment du gagnant-gagnant vis-à-vis de ton activité et puis la sienne finalement aussi. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de créer ta conciergerie, eh bien tu peux télécharger mon guide, mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années de ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu dois remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.